سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Première des choses, évidemment, c'est de remercier le Conseil des musulmans à Massy, c'est comme ça qu'on dit, le CMM, ou l'association plutôt Convergence, pour l'invitation. Barakallahu fikoum de me donner l'opportunité de pouvoir exposer un certain nombre de réflexions sur un sujet majeur. On va essayer donc de passer une petite demi-heure entre nous pour pouvoir exposer donc quelques réflexions sur ce sujet-là, pour ensuite passer aux questions comme il a été dit. Donc encore une fois, la yashkurullah, amen la yashkurul nas. Donc un énorme merci, barakallahu fikoum, d'autant que pour moi c'était un plaisir à chaque fois donc de venir et intervenir donc dans les espaces de la communauté, que ce soit les associations ou les mosquées, et particulièrement ici donc à la mosquée de Massy. J'ai vraiment été très heureux d'être invité. J'ai été très très heureux d'écouter donc l'exposé de notre frère Yazid, c'est ça ? C'est ça. Et je l'avais reçu, donc j'avais lu ce qu'il m'avait envoyé en amont, je lui avais répondu et je lui avais exprimé ma joie. Et je pense que vous êtes une mosquée modèle, je ne le dis pas parce que je suis ici, mais vraiment vous êtes une mosquée modèle, parce que dans la réflexion vous avez intégré une problématique absolument centrale pour l'avenir de la communauté, j'allais dire pour l'avenir de l'humanité. On va comprendre pourquoi, et là je vois quelques enfants, c'est bien, moi aussi je suis papa, et je pense que pour nos enfants c'est quelque chose de très important qu'ils puissent comprendre que leurs parents, autant dans leur travail quotidien, ou plutôt dans leur exercice quotidien, mais également dans leur perspective communautaire et collectif, à savoir donc dans la mosquée, que cette préoccupation, que cet impératif écologique et de développement durable soit intégré, c'est-à-dire qu'ils soient intégrés dans tous les espaces de la vie, autant au niveau individuel qu'au niveau familial qu'au niveau communautaire. Et bon, Inch'Allah, je vais essayer de préciser qu'est-ce que je souhaite vous exposer comme réflexion à ce niveau-là. Donc voilà pour l'introduction et les remerciements. Maintenant, avant de passer sur la question de l'écologie proprement dit, je voulais rappeler très rapidement quelques éléments par rapport à mon livre, Les 7 défis capitaux, qui a été exposé par le frère Yazid. Ce livre-là, c'est 4 éléments d'abord en introduction. La première des choses, c'est que j'ai voulu partager une expérience avec la communauté, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je m'engage dans ce qu'on appelle le tissu associatif musulman. Et donc j'ai voulu partager une espèce d'expérience que j'avais pu accumuler au travers et au gré de mes rencontres, de mes échanges, de mes déplacements, de mes voyages à l'intérieur du paysage islamique de France. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui nous concerne un peu davantage, c'est d'exposer une grille de réflexion, une grille de réflexion basée sur un référentiel islamique et sur 7 dossiers, sur 7 sujets majeurs que j'estime prioritaires pour la communauté musulmane. Donc c'est vraiment une grille de réflexion, une analyse et un cadre de réflexion autour de 7 sujets qui sont pour moi les plus importants, parmi les plus importants de la communauté. Évidemment, ce ne sont pas des sujets exhaustifs, la liste elle est très longue, mais c'est certainement ceux qui sont parmi les plus importants. Le troisième des éléments, c'est d'exposer, au-delà d'une réflexion, un support de mobilisation. J'ai très souvent vu beaucoup de musulmans poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en matière écologique. Et donc le but, c'est, au-delà de la réflexion basée sur un référentiel islamique et un paradigme religieux, c'est d'apporter un support de mobilisation, c'est-à-dire à la question « que faire ?». Vous trouverez dans le livre un certain nombre d'actions et de pistes d'action très concrets à mettre en place autant au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Et le dernier élément, c'est, concernant le livre, un discours de vérité que j'ai voulu adresser à la communauté. Il y a un certain nombre de choses qui se font, des choses qui se passent, et là vous allez voir que le discours de vérité, il est vraiment direct, parce qu'il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre existence, il s'agit de ce qu'Allah Azza wa Jalla a mis en termes de dépôt dans nos mains, et il faut avoir un discours de vérité s'agissant de la communauté, parce que je ne veux pas être dans un discours dramatisant, mais sur un certain nombre de sujets, l'heure est grave. L'heure est grave s'agissant, il a parlé de la Syrie, l'heure est grave s'agissant de l'islamophobie, mais aussi l'heure est grave par rapport à la question écologique. Donc là, Inch'Allah, je vais directement passer sur notre sujet, qui pour moi est le 7e chapitre. Il y en a 6 précédents, mais on ne va pas les évoquer, on va directement arriver à la question écologique et au plaidoyer, pour reprendre donc le titre de la conférence, s'agissant de la préoccupation écologique. Donc je vais essayer de scinder mon intervention en 2 parties. La première, c'est de revenir sur un aspect islamico-islamique,
c'est-à-dire de rappeler un certain nombre d'éléments fondamentaux dans la compréhension que l'on doit avoir de l'islam, et d'exposer quel est le souffle écologique qu'on peut trouver dans le Coran et qu'on peut évidemment trouver dans l'incarnation du message prophétique. Et ça, c'est de mon point de vue extrêmement important de revenir sur ces éléments de la compréhension du message de l'islam s'agissant de la préoccupation écologique, puisque vous allez le voir, elle est extrêmement présente. Et le deuxième aspect de ma présentation, c'est d'exposer un certain nombre d'actions très concrètes qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on peut commencer à entamer, pour pouvoir donner tout simplement du sens à cette préoccupation écologique qu'on trouve dans le Coran. Dit autrement, je vous donnerai vraiment des pistes d'action extrêmement concrètes que chacun pourra dès ce soir mettre en application pour pouvoir tout simplement coller au plus près de l'exhortation coranique. Et vous allez voir que l'exhortation coranique, elle est présente dans tout le Coran s'agissant du respect de la création. Voilà pour les deux éléments, les deux parties de mon intervention. Alors la première des choses à dire concernant les éléments islamiques sur le plaidoyer de l'éthique écologique, c'est de revenir tout simplement à la base. Et la base, évidemment, c'est le Coran. Et le Coran, deux éléments par rapport au Coran. Vous savez tous que la première des révélations, c'est celle qui commence par Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Regardez dans la première des révélations. Allah Azza wa Jal, du haut de sept cieux, lors de la première des révélations qu'il envoie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il utilise deux fois le mot Iqra et quatre fois l'occurrence du mot ilm. Dans la première des révélations, nous avons six occurrences, six répétitions du champ lexical du savoir et de la connaissance. J'insiste sur cet élément-là puisqu'il est à la base de n'importe quelle réflexion sur n'importe quel sujet. Ça vaut pour l'écologie comme ça vaut pour n'importe quel autre sujet. La science, la connaissance, l'information, le savoir est la clé d'émancipation dans n'importe quelle communauté. N'importe. C'est Allah Azza wa Jal qui nous le dit dès la première des révélations. Pour comprendre nos enjeux, il faut évidemment en comprendre la substance. D'accord ? Et si on creuse un petit peu, moi j'ai beaucoup été marqué par, je pense par, comme beaucoup d'entre vous, par beaucoup de musulmans, mais même par l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour vous donner l'importance du savoir. Et on est au cœur de la question d'écologie quand on parle du savoir, vous allez comprendre pourquoi. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Ghazwat Badr, après la bataille de Badr, on est au 7e siècle en Arabie, hein. Rappelez-vous toujours le contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne la bataille et un certain nombre de compagnons arrivent avec des prisonniers de Quraysh. Qu'est-ce que leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Exactement. Il leur dit détachez les prisonniers. Celui d'entre les prisonniers qui apprendra à lire et à écrire à 10 musulmans pourra s'en aller librement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une leçon exceptionnelle à l'humanité. Il dit qu'en dehors de la victoire militaire immédiate, tous les compagnons évidemment sont contents d'avoir gagné militairement la guerre. Il signifie que derrière la victoire militaire, il y a une victoire beaucoup plus importante qui est la victoire de quoi ? Du savoir, de la lecture et de l'écriture. Et là, on est au 7e siècle en Arabie. Imaginez-vous le souffle et le message spirituel qu'il envoie déjà à sa communauté et qu'il envoie au monde. Juste après la révélation d'Iqra. Donc on est bien d'accord que sur la compréhension du plaidoyer écologique, la première des choses à faire, c'est de connaître et de s'instruire. Alors là, on va essayer de connaître. Et on va essayer de connaître ce qu'il en est au niveau du Coran, de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné comme livre saint. Et le Coran, la deuxième des éléments qu'il faut mettre en évidence tout de suite concernant l'écologie, c'est qu'en fait, Allah Azza wa Jalla, dans la révélation qu'il nous donne, il donne deux types de révélations. Vous savez, c'est lesquelles ? Nous avons ce qu'on appelle le Coran ou le Kitab. D'accord avec moi ? Cheikh Abu Hamid al-Ghazali, donc l'un des plus grands savants de l'histoire de l'islam, lui dit qu'en fait, il y a deux Kitab. Il y a deux Kitab. Vous avez le Kitab al-Mastour,
Donc le Coran, Al-Qur'an alladhi bayna aydina. Donc le Coran, la révélation qu'Allah Azza wa Jalla a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans, par l'entremise de Jibril, que nous avons tous, et qui est notre livre saint et sacré. Mais vous avez ce qu'appelle Abu Hamid al-Ghazali Al-Kitab al-Manshur. Al-Kitab al-Manshur, c'est le livre dévoilé. Le livre dévoilé qui fait que n'importe lequel d'entre nous, là, dès lors qu'il observe le ciel, il peut observer le ciel tout de suite là. Tu peux observer le ciel comme étant une observation mécanique et automatique, tu te dis sur le ciel. Mais tu peux observer le ciel avec l'œil du cœur et l'œil de la révélation et te dis Subhanallah, celui qui a créé ce ciel et créé toutes choses avec un équilibre exceptionnel. Et là, tu vois le ciel différemment. Le fait de voir le ciel avec cet œil-là renforce ta foi. Ce n'est plus un regard mécanique et automatique, mais un regard du cœur qui renforce ta foi, la foi dans le créateur de la création. D'accord ? Ça, c'est la base. Il faut vraiment revenir à cette base-là parce qu'on est en plein dans la préservation de la vie et la préservation de la création. Et ce mot, il est absolument fondamental quand on veut parler d'écologie. Parce que quand on rentre un petit peu dans le détail de ce que le Coran nous signifie, Allah Azza wa Jal, fi surat al-Baqarah, ba'd a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, qu'est-ce qu'il nous dit? Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il s'adresse aux anges et il dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit aux anges, je vais créer quoi? Khalifa. Il y a eu énormément d'interprétations quant au concept de Khalifa. D'accord. On peut essayer de le traduire de manière un peu rapide, parce qu'évidemment on n'a pas beaucoup de temps, comme étant, si vous voulez, quelqu'un qui représente, quelqu'un qui a la gestion, un gérant, un vicaire. Allah Azza wa Jal dit à ces gens ce qu'il va, dit aux anges, qu'il va créer un gérant sur terre. D'accord ? Ça, c'est le principe qui fait de nous des gens qui ont la délégation de la gestion d'une terre. D'accord ? Le principe, il est clair au niveau de la compréhension de ce verset. Mais les versets, évidemment, vous êtes d'accord avec moi, ils se répètent, vous avez évidemment des versets qui se répètent, mais ils résonnent entre eux. D'accord ? Ils se complètent dans leur compréhension. Une fois qu'on a dit que nous sommes des représentants, Khalifa, min surat al-Baqarah, comment Allah Azza wa Jal nous enjoint de gérer cette terre dont nous sommes des représentants et des gérants, avec le concept fondamental du Coran et au-delà du fondamental du Coran, fondamental dans la compréhension de l'islam, qui est l'amana. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. Allah Azza wa Jal dit, après avoir signifié que nous sommes des représentants et des gérants, que nous devons gérer cette terre qu'il a mis entre nos mains, en fonction de quoi? Du concept coranique central qui est l'amana. Il est tellement central dans la prescription coranique et islamique que comment on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sadiqun al-Amin. Et qu'est-ce que veut dire l'Amin? Celui à qui, lorsqu'on lui déléguait ou qu'on lui gérait, qu'on lui laissait gérer un dépôt, il le rendait. Vrai ou faux? Quelqu'un de confiant. Quelqu'un évidemment qui garde le dépôt. D'où le surnom du prophète Hassan comme étant l'Amin. Le dépôt, c'est quoi? Je vous laisse quelque chose. Et l'objectif et le but d'un dépôt ou de celui qui garde le dépôt, donc l'Amin, qui a l'Amana, c'est de restituer le dépôt à son ayant droit dans l'état dans lequel je vous l'ai donné au départ. D'accord avec moi? C'est tellement vrai que le prophète Hassan s'appelait l'Amin. Taïb. Prenons cette compréhension de l'amana du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait. Il incarnait tellement qu'il s'appelait l'amin sur la question de la gestion de la vie sur terre. D'al-Khalifa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal nous a mis en dépôt cette terre. Ça veut donc signifier que cette terre, nous devons la restituer à Allah Azza wa Jal dans l'état dans lequel il nous l'a donné au départ. Vrai ou faux? C'est le concept fondamental de l'amana. Ça, c'est très très important à savoir parce que vous allez comprendre dans la deuxième partie où je veux en venir. Parce que
Si on déplace un petit peu maintenant la réflexion, parce qu'on peut aller très très loin, évidemment, dans le Coran et dans l'exhortation écologique du Coran. Je vous donnais un exemple très simple pour pouvoir conclure sur cette première partie. C'est une question que je pose souvent quand je fais des conférences. C'est une question un petit peu provocatrice, entre guillemets. Vous allez comprendre le raisonnement. Combien de versets dans le Coran stipulent l'obligation juridique du hijab pour la femme? Il y en a combien? De manière explicite. Deux. Il y en a deux. Il y a deux versets dans le Coran qui mentionnent de manière explicite l'obligation et la prescription juridique du hijab pour la femme. Donc on a dit il y a deux versets. Évidemment, deux versets, c'est suffisant pour qu'il soit obligatoire. Je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas obligatoire. Je ne suis pas de ceux. Mais la question qui vient juste après, et vous allez comprendre où je veux en venir, il y a combien de versets dans le Coran qui mentionnent 1. La méditation, 2. La contemplation, 3. Le respect de la création. Tout le Coran, comme dirait le frère. Vous êtes d'accord avec moi que ce ne sont pas quelques versets, ce ne sont pas des dizaines de versets, ce sont des centaines de versets. Est vrai ou faux? Cette création qu'Allah Azza wa Jal nous a mis entre nos mains comme étant un dépôt qui nous signifie la révélation, le kitab al-mastour ou le kitab al-manchour, et qui par centaines nous rappelle son importance. Tellement important que la création est elle-même une créature d'Allah Azza wa Jal qui le glorifie et le prostère. Plusieurs versets nous rappellent que la création d'Allah Azza wa Jal non seulement médite et glorifie la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et ce ne sont pas 1, 2, 3, mais des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Certains ulama ont dit qu'il y en avait au moins 300. 300 versets du Coran qui parle de la création, et au-delà de la création, évidemment, qui évoque le respect, la contemplation, la méditation d'une création qui glorifie la puissance d'Allah Azza wa Jalla. Une fois qu'on a posé ce cadre, et on pourrait encore une fois aller beaucoup plus loin. J'ai envie de passer à la deuxième partie, mais il y a encore beaucoup d'éléments. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté d'un de ses compagnons, et Saad ibn Abi Waqqas, et qui lui dit ne gaspille pas, et que le compagnon lui dit, mais je suis aux abords d'une rivière, est-ce que je dois gaspiller même si j'étais aux abords d'une rivière? Il lui dit, ne gaspille pas même si tu étais au bord d'une rivière abondante. En termes de réflexion, de source, on a bien évidemment un plaidoyer écologique dans le Coran et dans la tradition du prophète Sassim qui est originel et initial, vrai ou faux? Maintenant la vraie question qui se pose, parce que le but d'une intervention c'est celle-ci, et le but du livre c'est également celui-là, c'est de partir de la réflexion et d'agir. Taïb, si on rentre dans l'action, qu'en est-il de l'action des musulmans? Et là, on va essayer de détailler un petit peu. Et là, alhamdoulilah, je n'ai pas de leçon à vous donner, évidemment. Et je suis très heureux de faire cette intervention de la grande mosquée de Massy, qui est encore une fois une mosquée, je ne peux que vous féliciter. Mais quand même, je suis à Massy, je suis très heureux, mais Massy et l'exception qui confirme la règle. On est bien d'accord. Est-ce que vous êtes en train d'incarner Milnilen? C'est une nouvelle démarche. Vous êtes pionnier d'une certaine manière dans l'établissement de ce qui doit être la norme dans toutes les mosquées de France, voire du monde. Mais non pas la norme, je vais revenir, parce que l'ère du temps est au développement durable, à l'écologie, etc. Mais parce que c'est vos sources coraniques et prophétiques qui vous le demandent. On vient de le voir avec les versets du Coran et la tradition du prophète. Mais si on rentre dans l'action quotidienne des musulmans, qu'est-ce qu'on remarque? Ou même, avant de parler de la pratique des musulmans, qu'en est-il aujourd'hui en matière de connaissances scientifiques sur la question écologique? Et là, c'est une vraie question. Vous vous souvenez qu'en introduction, je dis que le livre, c'est un discours de vérité. Et là, on va parler de la vérité.
de ce que nous disent les observations, les conclusions, les rapports des scientifiques sur la question du climat et de l'écologie. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que j'étais content qu'il y avait des enfants. Dans mon livre, j'ai pas voulu faire une conclusion standard, une conclusion où je vais résumer le livre et parler d'ouverture. J'ai fait une lettre à mon fils. Mon fils, il a 4 ans. Il a eu 4 ans la semaine dernière. Et si on veut penser à l'avenir de nos enfants, je pense que quand ils auront notre âge, il n'y aura pas un défi plus grand à relever pour leur génération que le défi de pouvoir préserver les conditions d'une vie décente sur cette planète. Écoutez bien ce que je dis. Il n'y aura certainement pas défi plus grand pour leur génération à eux que de préserver le cadre naturel qui permet une vie décente. Une vie décente pour eux, mais surtout pour leur génération au niveau mondial. Parce que nos enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ils auront le défi le plus lourd à relever qui est celui que je viens de vous évoquer. Mais, alhamdoulilah, si tout se passe bien, ils vivront en France et en Europe. Ça veut dire qu'ils vivront dans un continent et un pays qui aura les moyens financiers de s'adapter au réchauffement climatique. Mais nos enfants qui ont 4 ans et qui seront les adultes de demain, on pense à eux. Mais en tant que musulmans, on doit également penser aux enfants du Bangladesh. D'accord ? Aux enfants du Pakistan. Pourquoi je parle du Bangladesh ? Le Bangladesh, c'est 200 millions de musulmans. Le Bangladesh est certainement le pays qui, dans les 10 à 20, 30, 50 prochaines années, aura le plus lourd défi à relever, à savoir tout simplement continuer à exister sur cette terre. Vous savez pourquoi ? Parce que le Bangladesh, comme les Pays-Bas, font partie des pays qui sont sous le niveau de la mer. Et dès lors que le réchauffement climatique, dont nous sommes, par notre modèle de consommation, les premiers responsables, d'accord ? Notre modèle, notre système de consommation fait que d'après les scientifiques, et je vais arriver dans le détail, vous allez avoir dans les 50 prochaines années une augmentation substantielle de quoi ? De la moyenne, de la température moyenne de la planète. Ce qui va engendrer et ce qui va provoquer la fonte des glaciers, la fonte de la banquise, et donc mécaniquement ça va engendrer quoi ? L'élévation des océans. Et que va engendrer l'élévation des océans ? Des pays comme le Bangladesh qui risquent d'être rayés de la carte. Le Bangladesh, c'est 200 millions de musulmans. Ça, c'est un élément, une conséquence prévisible parmi des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'autres. C'est pas Nabil Ennasri qui vous dit ça. C'est ce qu'on appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental des scientifiques sur le climat. C'est 2000 scientifiques répartis sur la planète. 2000. Ils rendent un rapport tous les 5 ans. Le dernier rapport a été rendu l'an dernier. Celui d'avant, que j'ai lu en partie, il date de 2007. Et parmi les conclusions de ce rapport en 2007, il disait deux choses. Il faut absolument à l'humanité qu'elle régule et qu'elle maîtrise l'augmentation générale de la température du globe. Et pour réguler cette température, il faut absolument que l'augmentation de la température, puisque la température va augmenter, soyez-en sûrs, il faut qu'elle soit au maximum 2 degrés. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle soit moins de 2 degrés avant la fin du siècle. Parce que les scientifiques disent qu'au-delà d'une augmentation de 2 degrés, on ne peut rien prévoir. Nos scénarios, l'état actuel de la connaissance ne peut pas nous dire qu'est-ce qu'il va arriver en termes de dérèglement du climat mondial et donc de cataclysme climatique que cela va provoquer. Au-delà de 2 degrés, on ne peut pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un dérèglement complet. Quelle est son ampleur, quelle est sa nature, on ne peut pas vous dire. Donc il faut absolument tout faire pour que la température soit une augmentation, l'augmentation de la température soit moins de 2 degrés. Et les scientifiques précisé en disant, nous pensons qu'il reste maximum 10 ans pour faire en sorte de juguler
cette augmentation de la température. Donc il signifie aux politiques et aux économies, aux gens, aux acteurs économiques et aux hommes politiques, faites un maximum en termes de politique publique et en termes de trajectoire économique pour réfréner notre système de consommation. Parce que notre système de consommation est basé sur quoi depuis 250 ans? Il est basé sur quoi? Il est basé sur tout simplement le fait de brûler quoi? Le charbon, le gaz, le pétrole. Ça veut dire de laisser s'évaporer dans l'atmosphère, ou laisser plutôt dans l'atmosphère, non pas des millions, non pas des milliards, mais des milliards de millions de tonnes de particules. Et vous pensez que les milliards de millions de tonnes qui ont été déversées sur la planète et dans l'atmosphère ne vont pas jouer un rôle sur la question du climat? Pour résumer ce que je viens de vous dire, ces scientifiques disaient, il reste 10 ans au monde pour pouvoir maîtriser l'évolution du climat. Au-delà de 2 degrés, on ne peut rien vous dire. Ça dépasse notre entendement. Il disait textuellement que c'est le saut dans l'inconnu. Les dernières prévisions, à votre avis, établissent une température pour la fin du siècle de combien de degrés? Non pas de 2 degrés, mais de 5 degrés. 5 degrés. Raison pour laquelle il y a une préoccupation aujourd'hui écologique au niveau mondial qui est née d'un sentiment de catastrophisme. C'est-à-dire que nous avons quasiment, si on prend une image, nous sommes dans une voiture, nous fonçons droit dans un mur, nous avons les yeux fermés et le pied sur l'accélérateur. Cette image-là que je viens de vous dire, c'est pas Nabil Nasri qui l'a dit. C'est l'un des plus grands philosophes français qui s'appelle Edgar Morin et qui disait il y a 3 ans, nous ne sommes pas encore conscients du péril, nous n'avons pas encore compris que nous allons vers la catastrophe et nous avançons à toute allure comme des somnambules. Edgar Morin, le 28 octobre 2011. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des réflexions comme ça, héritées de quelqu'un comme ça qui a fait... Non, non, tout ça est scientifiquement établi. Et tout ça est scientifiquement dit et répété. Donc, si on résume un peu l'intervention depuis tout à l'heure, voilà une communauté alhamdoulilah musulmane à laquelle nous appartenons, et qui n'a pas entendu 2011 et 2014 pour pouvoir se dire il va falloir mobiliser à la fois la pensée et l'action pour respecter ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a mis comme création. On vient de le voir juste en réfléchissant un tout petit peu sur un certain nombre de concepts coraniques, combien le Coran est un livre par excellence écologique, vrai ou faux. Combien la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à la pondération, nous appelle à la modération, nous appelle au refus du gaspillage, nous rappelle tout simplement au refus de la surconsommation. Mais nous sommes dans une situation où la planète et l'espèce de consommation aliénante d'une population qui veut toujours plus fait que nous créons, écoutez bien, nous créons les conditions de notre destruction. Mais ce qu'il faut ajouter avant de conclure, c'est que toutes les traditions, les peuples aujourd'hui sur Terre, je pense, Allah, il n'y a pas une tradition monothéiste, une tradition philosophique, une tradition de croyant qui n'a pas autant une préoccupation écologique comme l'a l'islam dans son livre saint et dans l'exemple de son prophète. On vient de le voir, des centaines de versets et une tradition prophétique qui nous le démontre. Sauf que la grande question à poser, c'est quel est aujourd'hui l'état 1 de la pensée musulmane et l'état 2 de l'action des musulmans sur la question écologique? Parce que si on fait des conférences, c'est pour la mettre en pratique. Mais alhamdoulilah, je parle avec convaincu. Mais tout ce discours-là, il faut essayer de le dupliquer. Il faut essayer même de le dupliquer dans vos familles. L'état de la réflexion et de la pensée musulmane, il est en crise sur pas mal de sujets, mais particulièrement sur la question écologique. J'ai rarement, pour ne pas dire quasiment jamais, lu et vu et entendu un des livres sur l'islam et l'écologie. Et des durus sur l'islam et l'écologie.
J'ai fait, je pense, une trentaine de mosquées et d'associations musulmanes ces dernières semaines. Il y a une mosquée, une association. Lorsque j'ai posé la question à quand remonte votre dernière Jumu'ah sur l'écologie, on m'a dit oui. Quasiment les 29 autres, on m'a dit on n'en a jamais eu. Quelle est cette communauté qui trouve dans son livre saint des centaines de versets qui la poussent au respect de la création et qui, en termes de pensée, ne serait-ce que fait le Jumu'ah, que fait le Khutbah, ne l'applique pas? Quelle est cette communauté, malheureusement, où nous avons encore une fois une souffle et une exhortation écologique dans le Coran et la Sunna, mais qui, en termes de pensée réflexive et de production, ne serait-ce que littéraire, il n'y a quasiment pas grand-chose? Alhamdoulilah, le cheikh Youssouf Al-Qaradawi, parmi les 100 ouvrages qu'il a écrits, il en a écrit un qui s'appelle « Ri'ayat al-Bi'a fi Shari'at al-Islam ». Mais à part lui, très honnêtement, ces dernières années, on n'a quasiment rien fait. Maintenant, de manière extrêmement concrète, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'on peut agir sur deux niveaux, le niveau de la pensée et le niveau de l'action. Le niveau de la pensée, alhamdoulilah, vous incarnez, vous, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple à suivre en matière écologique dans la construction de votre nouvelle mosquée. Mais mieux que ça, je pense que, même si je pense qu'évidemment ça a dû être fait, et ça, s'il y a des frères d'autres villes, ou si vous pouvez même le communiquer aux frères de la région ou ceux qui sont autour, il ne faudra, si vous voulez, jamais, ou il ne faut jamais sous-estimer l'importance de ce que j'appelle l'université d'éducation populaire de la communauté. Vous savez, c'est quoi l'université d'éducation populaire? C'est 52 cours dans l'année. C'est 52 retraités, je crois. Imaginons comme ça, rêvons un petit peu. Que on ne va pas dire dans toutes les mosquées, il y en a dans la moitié des mosquées de France, on se dise dans les prochaines semaines, on fasse une Jumu'ah sur l'écologie. Imaginez des centaines de mosquées qui s'adressent donc à qui? À des centaines de milliers de personnes. Eh bien d'accord, des centaines de mosquées peuvent s'adresser le Jumu'ah à des centaines de milliers de personnes sur, pendant une demi-heure, la question de l'islam et de l'écologie, en prenant évidemment source sur le Coran et la Sunna et en détaillant un certain nombre de choses à faire. Est-ce qu'on n'améliorera pas, comme ça, la réflexion en matière écologique de la communauté? On pourrait. Qu'est-ce qui nous en empêche? La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Allah Azza wa Jalla nous dit, « Qul i'malu fasallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun » Et dites, faites, agissez. Agissez surtout dans le domaine de l'information et de la compréhension. Et la meilleure manière de pouvoir agir dans l'information et la compréhension, c'est évidemment Khutbat al-Jumu'ah. Ça, c'est le premier aspect en termes de réflexion. Mais le deuxième aspect, en termes d'action, je vais vous donner deux exemples très concrets. Un exemple que chacun peut, dès ce soir, mettre en application. Et un autre qui est plus au niveau communautaire et collectif. Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis de ceux qui, depuis maintenant plusieurs mois, a banni la viande de son alimentation. J'ai banni la viande. Alors, vous allez dire, le lien entre la viande et l'écologie, il est où? Il y a un lien qui est direct. Déjà, rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'exemple prophétique est basé sur la pondération, la modération, le refus de la surconsommation. Ça vient d'où ça? Ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient du Coran. Wala tusrifu, inna Allah la yuhibbu al-musrifin. N'exagérez pas, parce qu'Allah n'aime pas ceux qui exagèrent. L'exagération à tous les niveaux. Autant l'exagération dans la compréhension de l'islam que l'exagération dans la consommation. Vous voulez un exemple d'exagération dans la consommation qui vous concerne, vous et moi? Fathallah Uthmani et Cheikh Mustafa Brahimi ont écrit il y a 3 ans un livre sur le halal. Dans leur livre sur le halal, ils sortent une étude et ils disent que les musulmans font partie des segments de la population française qui mangent le plus de viande. Nous mangeons à peu près 2 fois plus de viande que le reste de la population. Il y a surconsommation ou il n'y a pas surconsommation? Surconsommation.
Vous savez, quand j'étudiais Sharia en troisième année, il y a ce qu'on appelle Fiqh al-Buyu'. À un moment donné, il y a tout un chapitre sur la finance islamique. Et je me rappellerai toujours ce qu'avait dit notre prof, Cheikh al-Arab al-Bishri, hafidhahullah. Des phrases toutes simples qui veulent dire énormément de choses. Al-Iqtisad al-Islami yabni, ou mabni plutôt, ala al-qana'a. L'économie, si vous voulez, islamique, si vous voulez la définir, ou en tout cas lui donner un critère explicatif, c'est qu'elle est basée sur quoi? Sur al-qana'a. Que veut dire al-qana'a? La suffisance. Tu n'es pas dans une logique de consommation outrancière et exagérée. Parce que la consommation outrancière, tu peux devenir évidemment prisonnier de ta consommation. Et tu entres quoi? Dans l'aliénation. Et ce que veut le tawhid, c'est ta libération. Et non pas ton aliénation. Vrai ou faux? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui sont perdus par le désir de quoi? Plus tu possèdes, mieux tu existes. Nous, c'est non. C'est que tu ne dois pas être prisonnier de tes biens. C'est toi-même, tu dois te contrôler, maîtriser tes biens. Vrai ou faux? C'est fondamental comme différence. Et l'économie et le principe islamique de consommation, il est basé sur la modération, sur le qana'a. Vous voulez quelque chose de mieux encore? C'est à la base de taqwa. Al-Qana'a. Pourquoi? Comment définir Ali? Comment Ali a défini, radiallahu anhu, al-Taqwa, al-Khawf min al-Jalil, wal-Amalu bil-Tanzil, wal-Rida bil-Qalil. Al-Rida bil-Qalil, wal-Isti'adadu li-Yawm al-Rahil. Quatre éléments fondamentaux de la Taqwa, parmi lesquels al-Rida bil-Qalil, ça veut dire le fait de se suffire de peu. On est en plein. Dans quoi? Dans le principe spirituel islamique, le fait de parler d'écologie. Donc on refuse la surconsommation. Mais si on dit tout ça, pour qu'à la fin on veut une communauté musulmane qui consomme deux fois plus de viande que le reste de la population, pas ibidou ou l'application. Al-iman ma waqara fil qalb wa sadaqa wal amal. On est bien d'accord. La foi, c'est ce qui est enraciné dans le cœur et que confirme les actions. Mais si on a une consommation qui fait qu'on mange deux fois plus de viande que les consommateurs français, laquelle consommation a été multipliée par 5 en l'espace de 30 ans? D'accord? C'est qu'il y a un véritable problème. Et quand on sait que la viande, 1, elle a un coût écologique exorbitant. Vous savez, tout ce qui est produit, là, tous les produits, tout ce qui est fait est transformé. Un coût écologique. D'accord, cette table pour pouvoir avoir ce micro, ce stylo, ce livre, il y a eu évidemment besoin d'éléments pour pouvoir les faire, les produire, les fabriquer. Comme pour la viande. Et en fonction des produits, vous avez des produits qui sont entre guillemets coûteux écologiquement et des produits qui le sont moins. La viande fait partie des produits qui ont la plus grave empreinte énergétique, qui a le bilan carbone le plus important. Il faut 16 000 litres d'eau pour produire 1 kg de steak. De steak. De steak. 16 000 litres d'eau. 16 000 litres d'eau. Ça fait combien? Ça fait beaucoup d'eau, hein? À 3 litres d'eau, ça en fait beaucoup, hein? Donc, pourquoi j'ai banni les steaks, à votre avis? 16 000 litres. Donc, si vous mangez beaucoup moins de viande, vous faites 3 choses, les frères. Vous faites 1, du bien à la nature. Vous faites 2, du bien à votre portefeuille, vrai ou faux. Et vous faites quoi? Du bien à votre santé. Parce qu'une surconsommation de viande, évidemment, produit énormément de dégâts en termes de, du corps humain. Donc voyez comment, sur une conception spirituelle de l'écologie, on n'est pas uniquement dans la réflexion. Parce que ce qui est un petit peu dommage dans la communauté, c'est que très souvent, c'est un peu comme le Coran. On essaye de le lire et de le lire de la meilleure des manières, mais ce qui doit être tiré comme enseignement concret, et bien souvent on le zappe. Excusez-moi l'expression. Là, on veut tirer du Coran une exhortation écologique pour pouvoir la mettre en application. Et pour la mettre en application, comme je viens de vous le signifier, il y a deux moyens. L'application par la réflexion, et par la connaissance, et par les khutbat al-jumu'ah. Mais au-delà de ça, je vous assure que toute cette préoccupation écologique, moi, dont j'estime qu'il est majeur pour notre avenir,
elle part de quoi? De Iqra. Parce qu'à un moment donné, j'ai tout simplement acheté un livre. Et j'ai mis un petit livre. Et ce livre-là, je le cite dans mon livre. Et c'est un journaliste du Monde, c'est-à-dire du journal Le Monde, qui s'occupait des pages écologiques, qui s'appelle Hervé Kempf. Ce livre s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Je vous assure que celui qui lit ce livre-là sort différent à la fin de la lecture qu'avant la lecture. Quand vous lisez ce livre, et il en a écrit 3, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas. Et si on est des musulmans véridiques, entre guillemets, et si on veut vraiment prendre à bras le corps la question écologique dont Allah Azza wa Jal nous a signifié son importance par des centaines de versets, on se dit qu'on n'a pas le droit de rester dans le système de consommation qui est le mien. La question qui a été posée à mon cheikh de Château-Chinon par un jeune étudiant a été de lui dire, écoutez bien la question, parce que ça part d'une réflexion même dans la formulation des questions. Ya cheikh, est-ce qu'il est encore licite, yajouz, de manger la viande d'aujourd'hui, considérant le fait que, un, la trois quarts d'entre elles n'est pas halal, ça c'est un autre sujet, et deux, l'empreinte écologique absolument exorbitante de la viande, ne signifie-t-il pas que les musulmans devraient complètement l'écarter au profit d'une viande qui soit beaucoup plus saine, type viande bio et viande écologiquement, on va dire, saine. Il a pris un autre exemple. Regardez bien la question, parce que dans la question, il y avait deux niveaux. Il lui dit, est-ce que quand vous avez un produit, on va dire, bio, prenez un œuf, des œufs, et des produits, on va dire, normaux, est-ce que le musulman ne devrait-il pas manger uniquement l'œuf bio, même s'il devrait manger la moitié des œufs normaux? Le cheikh, évidemment, il n'a pas voulu lui donner une fatwa, parce que la fatwa, c'est lourde, et lui a dit, évidemment, la question se pose. Et la question mérite d'être posée. Elle mérite d'être posée aux savants. Si on pense à nos enfants, très sincèrement et très sérieusement, avec encore une fois tout ce souffle écologique dans le Coran, avec cette planète qui court à sa perte, n'est-il pas venu le moment où les musulmans devraient s'emparer de manière primordiale de ce sujet-là? Surtout quand on voit les autres traditions monothéistes prendre à bras le corps ce sujet. Pour finir, moi ce qui me chagrine un petit peu, même si alhamdoulilah on sent qu'ici à Massy, machallah, les choses bougent, et je suis encore une fois très heureux d'être parmi vous, et encore une fois je vous félicite et on espère qu'Allah Azza wa Jal fera en sorte que d'autres mosquées prennent exemple sur vous, c'est que quand j'ai discuté avec Hervé Kempf, le journaliste dont je vous parle, qui a écrit 3 livres sur la question écologique, il a vu évidemment que j'étais musulman, et il m'a posé des questions sur qu'est-ce que dit l'islam et l'écologie, etc. Et moi je commençais à réfléchir un peu sur ce sujet. Il m'a dit, je vais t'envoyer des informations, je vais t'envoyer donc un mail où moi, donc c'est lui qui parle, j'ai assisté à tout un colloque sur un week-end entier de l'Église catholique de chrétiens dont le thème était foi chrétienne et écologie. Vous saviez combien ils étaient ? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله D'abord, encore une fois, barakallahu fikum, vraiment, je suis très heureux d'être ici. Barakallahu fikum, le cheikh, pour les versets, sa très belle voix pour Salat al-Maghrib, les versets qu'il a cités. Tu m'as posé la question juste avant sur les 6 défis, les 6 chapitres précédents, parce que je rappelle que le chapitre sur l'écologie, c'est... je l'ai mis en dernier chapitre, mais j'ai mentionné dans la lettre à mon fils que ce dernier chapitre aurait dû être mis en premier. Vous savez la communauté comme elle est. Si tu mets un premier chapitre à l'écologie, il y a très peu qui vont te suivre et très peu qui vont te lire. Vrai ou faux? Malheureusement. Donc je l'ai mis à la fin, mais je pensais le mettre au début, mais en même temps, je n'ai pas pu faire autre chose que de le mettre à la fin.
Ça m'amène au premier chapitre. Le premier chapitre, c'est celui qui est en filigrane par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au chapitre de la formation et de l'éducation. Ce chapitre, il est absolument fondamental. Et je vais vous faire une toute petite confidence. Ça fait des années que je mûris ce livre. Ça fait moins de 2-3 ans que je me dis que je vais essayer encore une fois de partager une expérience et de formaliser par écrit mon appréciation sur différents sujets. Et le soir où j'ai commencé à prendre mon ordinateur et à commencer à taper, c'était le soir du 8 juillet dernier, le 8 juillet 2013. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 juillet 2013 ? Exactement. Premier jour du Ramadan. Et je ne vais pas être très très long parce que je risque de faire une autre conférence. Mais très rapidement, vous vous souvenez, et ça a été un jour un petit peu particulier, et une petite tension dans la communauté entre ceux qui privilégiaient le calcul et ceux qui étaient qui pensaient que la vision oculaire était le choix le plus judicieux. Vraiment, j'ai pas envie d'être très long, mais en même temps, si je commence à en parler, je suis obligé de développer un petit peu. Pour faire très très court, j'étais de ceux qui pensaient que la vision, le calcul était le choix le plus opérant, le plus judicieux pour la communauté. Mais j'ai pas voulu exprimer mon avis parce qu'il y avait une grande émotion dans la communauté. Une très très très, très grande émotion. Il y avait beaucoup de gens, donc beaucoup de tension, beaucoup de polarisation. Et j'ai donc dû réfréner un petit peu mon avis et prendre le contraire de ce que je pensais parce qu'il y avait une grande émotion dans la communauté. Et quand je vous parle d'émotion, ça a été très très concret dans certaines mosquées. Dans une ville du sud de la France que je connais, il y a 3 imams qui se sont regroupés pour savoir quelle attitude ils allaient adopter. Ils étaient d'accord pour la question du calcul astronomique, et quand ils sont arrivés dans la mosquée, dans leur mosquée respective, pour pouvoir développer leur avis, les fidèles n'ont pas voulu les suivre. Et les fidèles ont dit « ne vous suis pas ». Et les imams qui au départ étaient pour le calcul ont dit « changez d'avis » du fait de l'émotion des fidèles. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Parce que dès lors que l'émotivité, que l'émotion des fidèles prend le pas sur la parole d'autorité que ceux de ceux qui doivent être devant les fidèles, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'on a sacralisé quelque chose qui n'aurait pas dû être sacralisé. Pour une raison simple. Là aussi, la raison, c'est Iqra. Parce que les imams, normalement, sont ceux qui se mettent devant. Étymologiquement, c'est celui qui se met devant. Amin, celui qui se met devant les fidèles. Et dès lors que vous avez une posture, une situation où les fidèles décident à la place de l'imam, alors que l'imam doit être celui qui est devant eux, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas vous trop m'étaler sur cette question-là, mais pour moi, elle a été révélatrice de beaucoup de choses. Et d'un déficit de compréhension. Parce que même ceux qui étaient pour la vision, et je respecte évidemment ceux qui sont pour la vision, et on n'est pas dans un match de foot en se disant 1-0 pour l'un ou 1-0 pour l'autre, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, il est juste de mettre en évidence les arguments juridiques des uns et des autres. Et moi, je pense que les arguments juridiques de ceux qui sont pour le calcul sont plus efficients et plus opérants des arguments de ceux qui sont pour la vision. Et pour vous conclure ce premier chapitre, pour une raison simple. Dernièrement, il y a un calendrier, n'est-ce pas ? Il y a un calendrier. Dans toutes les mosquées, il y a un calendrier. Dans toutes les mosquées de France, comme dans toutes les mosquées du monde. Et pourtant, les 5 prières obligatoires sont toutes en fonction de l'observation de quoi ? Des phases du soleil. Même celui qui est à cheval et qui veut absolument voir le croissant le soir de la veille du Ramadan, le lendemain matin, quand il s'agirait de manger pour le Maghreb, il regardera le calendrier, vrai ou faux ? Il regardera. Si le Maghreb, il est à 21h02, il mangera à 21h02 et pas à 21h03. Vrai ou faux ? Faïd, pourquoi tu prends le calcul pour un pilier de l'islam basé sur la vision du soleil et que tu te délaisses pour un pilier de l'islam basé sur l'observation de la lune ? Soit tu es cohérent jusqu'au bout et tu réfutes le calcul tel qu'il est, soit... Excusez-moi, mais il est cohérent. Oui, ça pour lui, c'est cohérent. Ça c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais, c'est bien que tu aies pris le hadith. Parce que depuis l'époque des tabi'in et parmi les tabi'in, Ibn al-Mutarraf, jusqu'à l'un des plus grands savants du hadith du XXe siècle qui s'appelle Cheikh Mohamed Ahmed Shakr, et qui dès les années 30 a écrit un livre sur la question de l'Hilal. Jusqu'à Cheikh Faisal Mawraoui, qui est un des plus grands juristes et faqih libanais, ils vont prendre ce hadith-là
Et ils vont te faire comme beaucoup de ce qu'on appelle ahadith al-ahkam, c'est-à-dire les hadiths qui ont une portée juridique. Ils vont te faire le charh, l'interprétation et l'explication du hadith. Et ils vont te prendre ce qu'on appelle l'illa. L'illa qui est le motif, la raison d'être, la cause d'un hadith. Et ils vont te développer la chose suivante. Soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Qui est hadith al-bab, qui est le hadith à la base de cette question-là, de la question de l'Hilal. Écoutez bien la question qu'il vous pose. Est-ce que ce qui est important dans le hadith, c'est la détermination effective du croissant lunaire ou le moyen avec lequel tu l'observes? Est-ce qu'il est important, le plus important dans le hadith, ce vers quoi l'obligation culturelle du Ramadan est liée? Est-ce qu'elle est liée au moyen utilisé ou est-ce qu'elle est liée à la naissance effective d'Al-Hilal? La naissance effective d'Al-Hilal, c'est ça qui est important dans le hadith. Et les ulama, depuis Ibn al-Mutarraf jusqu'à Cheikh Faisal Maulawi, ils vont te développer ce que une qaïda, la qaïda qui est quasiment reconnu par tous les savants. Dès lors que tu as dit que ce qui était important, c'est la détermination effective d'Al-Hilal et que le moyen il est secondaire, dès lors qu'arrivera un moyen beaucoup plus sûr que la vision oculaire, tu prendras le moyen beaucoup plus sûr, beaucoup plus catégorique et tu délaisseras le moyen relatif. Comme on fait tous les jours concernant les cinq prières quotidiennes. On sait que le maghrib, c'est wa aqimis salat idluk ash-shams ila ghasaq al-layl, c'est-à-dire le coucher du soleil. Ce qu'on fait, comme on a fait aujourd'hui, comme tout le monde fait, on regarde le calendrier pour savoir, parce qu'on sait que le calendrier peut déterminer de manière beaucoup plus rigoureuse que la vision oculaire la naissance effective du coucher du soleil. Donc, pourquoi j'ai dit ça au tout départ? Et pourquoi c'est un défi? Parce que c'est un défi qui doit nous permettre de comprendre réellement quels sont les arguments juridiques qui sous-tendent la question du calcul et quels sont les arguments juridiques sur la question de la vision oculaire. Et moi, ce que j'ai regretté à l'époque du début du Ramadan, c'est le fait que même ceux qui voulaient contester la vision du calcul n'étaient pas au courant et au fait de ce que disaient les gens qui défendaient le calcul. Et ça, c'était malheureux. Et si tu veux unifier demain la communauté, parce que le but du calcul, c'est aussi ça, il sera beaucoup plus facile de l'unifier sur la base du calcul que sur la base de la vision. Parce que la vision, tu verras toujours des pays arabes ou des pays musulmans diverger. Et tu verras une communauté qui, malgré, force est de constater, elle est ce qu'elle est. Il y en a certains qui se référeront à un pays plutôt qu'à un autre. Donc pour pouvoir sortir de cette espèce de confusion permanente, il y avait la question du calcul. J'ai dit que 10% de ce que j'aurais voulu dire sur le calcul, mais on ne peut pas aller plus loin. Il y avait la question, le deuxième défi, c'est la question de l'islamophobie, un gros sujet pour la communauté. Le troisième sujet, le troisième chapitre, c'est tout ce qui concerne la participation politique des musulmans. Et ça aussi, c'est un sujet assez important, notamment en période d'élection. On a quitté les élections municipales et on va voir les élections européennes. C'est important même au niveau religieux, les frères. Le livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est basé sur un référentiel islamique. Et pour chaque chapitre, je reviens d'abord au asl. Et l'asl, évidemment, c'est les deux sources authentiques, mais également la compréhension des savants. Parce que les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Et quand on pose, écoutez bien, quand on pose la question à un certain nombre de savants, et notamment de savants européens qui connaissent notre contexte, et qu'on leur demande, est-ce qu'il est possible aux musulmans d'aller voter dans la niya, d'utiliser le vote comme un levier pour défendre les intérêts de la communauté, non seulement vous avez énormément de savants qui vous disent il est possible d'aller voter, mais vous avez un certain nombre de savants qui vont plus loin. Puisqu'il est obligatoire d'aller voter. Exactement. Et celui qui ne va pas voter dans la compréhension de l'utiliser comme étant un levier pour défendre la condition de la communauté musulmane, celui, selon la compréhension de ces savants-là, qui ne va pas voter, il est dans le péché. Là, c'est les savants qui le disent. Un certain nombre de savants, j'explique tout ça pourquoi. Le chapitre numéro 4, c'est la question de la Palestine. Comment aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, on peut porter une solidarité qui ne soit pas une solidarité uniquement émotive,
Et on pense à Gaza, que quand Gaza est sous les bombes, et on l'oublie très souvent, une fois que les bombes se taisent, ça c'est pas très sain, même en termes de solidarité humaine et de solidarité islamique. La question de la représentativité, chapitre 5, et c'est un long sujet, j'ai pas envie de l'aborder maintenant. Le chapitre numéro 6, donc avant le chapitre de l'écologie, est pour moi l'un des plus importants. Il traite de la question de la Syrie. En août 2013, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a sorti un rapport disant, écoutez bien, que la situation humanitaire des réfugiés syriens, la situation humanitaire des Syriens, est la pire situation humanitaire que le monde ait connue depuis le génocide du Rwanda en 1994. Depuis 1994, il n'y a pas une situation humanitaire plus grave et plus épouvantable que la situation des réfugiés syriens. La vraie question est de savoir, au-delà, parce que ce que j'ai voulu, c'est d'apporter également une grille de réflexion, qui ne soit pas une grille de réflexion, on va dire, naïve, mais qui refuse la grille du complotisme et de la conspiration. Vous savez, c'est cette espèce de vision qui a imprégné la communauté en disant que ce qui se passe en Syrie, c'est pas vrai, que c'est une entreprise de déstabilisation étrangère, etc., etc. Ce que j'ai voulu, c'est poser le cadre réflexif, tant historique, qu'au niveau de la parole des ulama et qu'au niveau de ce que disent réellement les organisations de défense des droits humains. Et aujourd'hui, en Syrie, il y a, parce que le livre, c'est un discours de vérité, il y a aujourd'hui en Syrie ce que Thomas Pierret, qui est l'un des plus grands spécialistes reconnus en France sur la question syrienne, il y a ce qu'on appelle des campagnes d'extermination. Il y a des pratiques génocidaires autour de la ville de Homs et autour du camp de réfugiés de Yarmouk. En tant que musulman et en tant que musulman français, il est de notre responsabilité de savoir davantage ce qui se passe. Iqra. Il est de notre devoir impératif au niveau islamique de porter une assistance à un peuple réellement en danger. Et cette assistance-là, c'est une assistance médiatique, une assistance de l'information, une assistance humanitaire, une assistance par l'argent et une assistance par les deux. Et je vais même très loin. J'expose, bon, ce serait trop long, toute cette question de la solidarité et tout ce qui aujourd'hui monopolise l'attention des médias, à savoir djihad ou pas en Syrie. Ça, faut savoir y répondre. Parce que c'est pas en feignant ou plutôt en évitant de parler de quelque chose qu'on va répondre à ce qui se passe aujourd'hui dans certains quartiers de France et certains quartiers de Belgique. Il faut savoir poser la question, il faut savoir y répondre, et moi je réponds de manière évidemment claire, sans aucun problème. N'importe où faut-il apporter les arguments. Donc ça, c'était les 6 chapitres sur le livre, avant évidemment la question d'écologie. J'aurais pu être encore plus bavard, mais je vais laisser la place à d'autres questions. Des suggestions, donc je vous laisserai le soin, Inch'Allah, de répondre aux suggestions, pourquoi pas les mettre en application. La première des questions, c'est journée sans voiture. Moi, j'ai été plus loin. J'ai vendu ma voiture. Et j'ai plus de voiture depuis un an et je m'en porte très bien. C'est vrai que ça fait depuis un an et demi que je suis en région parisienne et quelques mois après, je me suis dit que ça ne servait pas grand-chose. Donc ça m'arrangeait d'une part et de deux, c'est également un acte écologique. Mais si vous voulez, il ne faut pas non plus que... Il ne faut pas rebuter les gens sur la question écologique. Si tu commences à dire aux gens... Il faut que tu vendes ta voiture, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas te suivre. Par contre, il y a quelque chose de mieux à faire. Il y avait un site, son nom m'échappe, Inch'Allah, il va peut-être me revenir, qui a fait la différence entre le fait de moins consommer de viande et le fait de réduire, on va dire, son trajet en voiture. En fait, il est beaucoup plus sain pour la planète de garder sa voiture et de manger moins de viande que de faire l'inverse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le bilan carbone, l'empreinte énergétique. Si tu manges moins de viande, en gros, entre manger moins de viande et vendre ta voiture, il vaut mieux que tu gardes ta voiture et que tu manges moins de viande. D'accord ? Donc rassurez-vous, vous regardez votre voiture. Pas de problème. Mais ce que vous pourrez faire, surtout qu'on mange énormément de viande, vrai ou faux ? Notamment la tradition maghrébine, pour ne pas dire marocaine. Bon, j'arrête. On mange énormément de viande. Hein ? Pas dans nos pays, c'est ça qui est le problème. Oui, et bien tu sais, Armé. C'est ça le problème. Exactement. Le problème, c'est que regardez, même la consommation, le livre que j'ai cité tout à l'heure de Fathallah et de Cheikh Mustafa Brahmi, dit que la consommation de viande des musulmans européens est quasiment égale à la consommation de viande des musulmans d'Afrique. C'est-à-dire quelques dizaines de millions de musulmans d'Europe mangent autant de viande que plusieurs centaines de musulmans d'Afrique.
Donc, la question de la plante et la question de la voiture, évidemment, il faudrait faire en sorte d'avoir une utilisation, on va dire, moins systématique de la voiture. C'est toujours bien, parce que ça fait toujours du bien à la planète. Mais si vous voulez rationaliser vos efforts, mangez beaucoup moins de viande. Ça fera du bien, comme je vous l'ai dit, à votre santé, à votre porte-monnaie et également à votre planète. D'autant qu'on n'a pas évoqué un autre sujet, qui est le fait de savoir si la viande qu'on mange est halal ou pas. Alors moi, je suis convaincu qu'elle ne l'est pas. Mais... enfin, pour une grande partie d'entre elles. Mais là, ça renvoie à vous, comment dirais-je, à la responsabilité individuelle de savoir ce qu'on ingurgite. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important, islamiquement comme humainement. Donc, pourquoi ne pas mettre l'apiculture ? C'est pour vous. Consommation viande, poisson. Moi, je ne te cacherai pas, Horty, que je vais tout faire pour progressivement, parce que je mange encore du poisson, devenir tout simplement végétarien et manger, qu'on se comprenne bien. J'ai pas dit que je mangeais plus de viande. J'ai dit que je mange beaucoup moins. Je l'ai quasiment banni. Et la viande que j'achète, c'est de la viande bio. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de ni'ma à manger de la viande. C'est pas quelque chose dont on va se priver. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a mis à notre disposition. Mais encore faut-il, d'une part, la manger avec modération et manger une viande qui soit saine. Et la viande qui est saine, c'est une viande évidemment qui a été traitée, on va dire, humainement avant l'abattage, et qui a été tué, sacrifié de manière islamique, et non pas de manière industrielle. D'accord ? Donc, il est évidemment possible de manger encore de la viande, d'en manger beaucoup moins et d'en manger mieux. D'accord ? Quant au poisson, vu l'abattage industriel dont il fait l'objet et dont il est la victime, je progressivement, parce que tout est question de gradation, les frères et sœurs, celui qui en mange beaucoup, il va en manger moins. Celui qui en mange moins, il va en manger beaucoup moins. Il ne faut pas aller dans une volonté de couper directement la consommation de viande, parce que ça va apparaître comme étant trop brutal, et ce n'est pas comme ça qu'on fait. Même, comprenez même comment Allah Azza wa Jal et le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, dans sa pédagogie, il y avait toute une gradation même dans les interdictions. Vous connaissez l'interdiction de l'alcool. Elle est venue en trois moments, elle est venue de manière progressive. Donc là, je pense qu'évidemment, la réduction de la consommation, qu'il s'agisse de viande et de poisson, il faut qu'elle se fasse de manière progressive. La consommation entreprise est un. Il est clair que la logique d'un État, comme la logique d'une entreprise, aujourd'hui dans le système économique et capitaliste qui est le nôtre, la préoccupation écologique n'est qu'un élément anecdotique. D'accord. Le principe d'une entreprise, c'est la maximisation du profit. Le principe d'un État, c'est toujours basé sur la croissance. Il faut croître, croître, croître. Croissance, toujours croissance, toujours croissance. Donc si tu veux évaluer la perception des activités, ou plutôt de la démarche d'un État ou d'une entreprise, quasiment à chaque fois, vous avez des entreprises ou des États qui font l'inverse de ce qu'on devrait faire au niveau écologique. Parce que le monde, comme l'a dit Edgar Morin, il va à sa perte. Et nous, en tant que musulmans, en tant que citoyens, en tant qu'individus, on doit signifier au monde qui va vers sa perte que moi, je vais de l'autre côté. Parce que le progrès, c'est parfois avoir le courage de savoir dire non et de savoir dire stop. Vous savez, j'aime beaucoup l'expression d'un philosophe indien qui disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé d'être intégré dans une société malade. » Vrai ou faux, ce n'est pas un signe de bonne santé. Et nous, on va dire, on va au niveau de notre sujet, ce n'est pas un signe de bonne santé écologique d'être intégré par une société malade du progrès, obsédée par la croissance qui détruit les écosystèmes. Donc ce qu'il faut dire, c'est que cette manière de consommer et de consommer davantage pour exister, nous, on n'en veut pas. Donc si c'est la trajectoire prise par les États, prise par les entreprises, nous, on va signifier aux États et aux entreprises qu'on ne veut pas de ce progrès-là qui n'est qu'un progrès fallacieux. De manière très concrète, ça veut dire que quand tu utilises ton droit de vote, il faut qu'il utilise à bon escient. Que moi, je dis qu'il n'y a pas que l'islamophobie comme préoccupation majeure des musulmans. C'est pour ça qu'il y a sept défis, on n'a pas. L'islamophobie est importante, mais attention, ce n'est pas le seul. D'accord ? Donc, quand toi, tu apprécies le programme d'un État, plutôt le programme d'un parti, il faut également mettre plusieurs éléments, d'accord, dans ton choix.
qu'on se comprenne bien jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de vous dire de voter écolo, hein, parce que je ne vote pas écolo. Non, non, sérieusement, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte dans ton appréciation du champ politique. Et couper les liens avec la société de la surconsommation, oui, oui, et trois fois oui. Et c'est en revenant à la spiritualité que tu peux tout simplement couper les liens avec la surconsommation. C'est quand tu comprends que ta foi, c'est redorber le, c'est quand tu te médites un petit peu le souffle écologique dans le Coran que tu te dis que non, moi je ne veux pas être de ceux qui veulent consommer, consommer, consommer pour exister. Parce que c'est comme ça. La société dehors, c'est exactement ça. C'est la surconsommation comme élément d'identification. Nous, ce qu'on veut, c'est la modération. Rappelez-vous toujours que les artisans de l'islam, ils m'ont mis à la hache. Tout ça, ça remonte tout simplement au travail du cœur, au travail sur soi, à la méditation de la vie prophétique et des exhortations coraniques. Il n'y a pas d'autre choix que de revenir à l'essentiel. Il faut être spirituellement fort pour être politiquement intelligent et écologiquement performant. D'accord ? Ça revient à ta spiritualité. Et ce qu'Allah Azzawajal t'a mis comme dépôt dans tes mains, autant au niveau de l'écologie de la planète que dans ce que tu mets toi dans ton ventre, parce que tu en es le premier responsable, et demain tu seras questionné par rapport à tout ça. Un complément tout simple que ce soir vous allez mettre en application: je fais la guerre, bon, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, mais je fais la guerre à ma femme sur la question du gaspillage. Il n'y a pas, même à mes enfants, tu finis ce que tu as. Bon, s'il ne le finit pas, c'est moi qui le finis, c'est vrai. Mais bon. Mais il n'y a absolument rien qui est jeté à la poubelle. Est-ce que vous savez quel est, et nous c'est le cas, on est des musulmans complètement intégrés sur ce sujet, c'est un tiers de ce que les consommateurs occidentaux achètent qui finit à la poubelle. Un tiers. Un tiers de ce qu'on achète finalement, vrai ou faux? Est-ce que c'est pas le cas pendant le Ramadan? Est-ce que c'est pas le cas pendant les mariages? Est-ce que c'est pas le cas pendant les baptêmes? Est-ce que c'est pas le cas pendant les monnaies sabbates, quand on invite des gens, etc.? Est-ce qu'on ne jette pas très souvent de la nourriture? Et pourtant, comment sont assimilés et à qui sont assimilés comparés ceux qui sont les gaspilleurs dans le Coran? Là aussi, regardez comment le Coran. Attendez, vous êtes bien d'accord avec moi, il n'y a pas quasi. Il n'y a pas pire comme comparaison que d'être comparé à Shaitan. Vrai ou faux? Donc ceux qui gaspillent sont comparés à ceux qui sont quasiment des chayatins. Et pourtant, nous avons ça mentionné dans le Coran, comme mentionné le fait que donc Dieu n'aime pas ceux qui font œuvre d'excès. Et nous, dans notre vie quasiment tous les jours, ne sommes-nous pas dans l'excès, dans l'exagération, dans le gaspillage? Il y a, au niveau du gaspillage, au niveau de la consommation de viande, au niveau de l'information et de l'écran, vous avez trois éléments dont ce soir vous pouvez commencer à les mettre en application. Et si nous sommes de très nombreux musulmans à mettre en application, évidemment, en prenant en considération ce qu'on vient de dire sur le Coran et la Sunna, tout ça, alhamdoulilah, part d'une compréhension de quoi? De nos sources islamiques. Et bien, nous aurons fait au moins ce qu'il est impératif pour nous de faire. Nous avons une exigence d'effort. Surtout, 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 et Wallah, il pensait le bien. Le plus grand des défis que la génération de nos enfants aura à relever, très certainement, c'est ce défi de rester dans une planète vivable. Vivable. 5 degrés de plus avant la fin du siècle, c'est synonyme de cataclysme d'une ampleur inimaginable. Au Bangladesh, comme à Massy. Quand la planète se met, vous savez, en 2000,
10, le Pakistan a subi les plus graves inondations depuis son indépendance. Ça a été 20 millions de victimes, 20 millions de personnes touchées par des inondations d'ampleur historique. Un an plus tard, les scientifiques de la revue Nature, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en termes de compétences scientifiques. Deux études ont démontré que il y a quasiment fort à parier que l'origine du cataclysme climatique qui avait frappé de plein fouet le Pakistan l'année d'avant était en grande partie due au dérèglement du climat. Mais le pire dans tout ça, c'est que regardez jusqu'où on va dans notre négligence. J'avais vu cet article-là quelques jours avant d'aller en Angleterre. J'avais été en Angleterre avec quelques frères de Château Chinon de l'USH. Et c'était un frère qui donnait des cours là-bas. Il devait faire le Jumu'ah en Angleterre. Vous savez, en Angleterre, en France, la majorité de la communauté, elle est nord-africaine ou bien d'Afrique noire. Là-bas, c'est plus indo-pakistanaise, asiatique, d'accord ? Pakistan, beaucoup, Bangladesh. Hein. Je souffle l'idée au frère qui va faire le Jumu'ah, qui fait partie de notre groupe, au responsable de la mosquée pour lui dire: essaye de faire un Jumu'ah sur l'écologie. Demande-lui si tu peux faire un Jumu'ah sur l'écologie. C'est comme s'il y avait un frère de Château Chinon qui m'a proposé au frère, lui dire: est-ce que je peux faire un Jumu'ah sur l'écologie? Vous savez, la réponse du frère, ça a été quoi? S'il y en a qui comprennent l'anglais, ils vont sourire. Il a dit, c'est-à-dire, il a répondu au frère: they don't care. Ça veut dire quoi, they don't care? Ils s'en foutent. Exactement, ils s'en foutent. Les gens, ça ne les intéresse pas. Celui qui dit que ça les intéresse pas en parler des fidèles, il est d'origine pakistanaise. Regardez bien comment quelque chose qui tombe par an, quelqu'un d'origine pakistanaise dit, les gens, donc beaucoup de Pakistanais, ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas quoi? De parler d'écologie qui est mentionnée dans le Coran, la préservation de la création. Quand vous avez un système de consommation qui crée les conditions d'un cataclysme climatique, où? Au Pakistan. Quelque chose qui cloche. Donc voilà, dans la réflexion, dans l'action, dans la réduction de la consommation, dans le refus du gaspillage et dans la compréhension à tous les enfants, évidemment, d'avoir un mode de vie qui soit beaucoup moins tiré vers la surconsommation et davantage vers la modération. Bien, machin, il y a des remarques qui demandent beaucoup de. Enfin, quelques minutes de réponse. Il y en a d'autres qui demandent des réponses un peu plus courtes. Pourquoi je l'ai vendu, ma voiture? Ça fait bien finir à Phil Kali, mais je comprends ta question. J'avais deux choix, soit je la vendais, soit je l'envoyais la casse. Donc qu'est-ce que je fais? En plus, c'était une Audi. Alors, envoyer la casse, c'est compliqué quand même. Mais vous avez voulu me tacler, machallah, vous y êtes arrivé. Après ma caméra. Allah yzikal khair ya Phil Kali. Non, j'avais pas d'autre choix que de la vendre, sinon je l'envoyais tout simplement la casse, c'était pas l'objectif. Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit, évidemment, l'objectif, et encore une fois, c'est comme pour la viande, l'idée, c'est pas de brutalement s'arrêter de manger, comme c'est pas brutalement de laisser ses voitures, c'est d'avoir une consommation beaucoup plus réfrénée. Il y en a, pour acheter du pain, ils vont prendre leur voiture, ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout le fait de consommer intelligemment, d'accord? Donc encore une fois, entre le fait de vendre sa voiture et continuer de manger de la viande, et le fait de moins manger de viande et de garder sa voiture, il vaut mieux garder sa voiture et de moins manger de viande. Et de moins manger de viande et de supprimer le gaspillage. Là, ce n'est pas réduire le gaspillage. Le gaspillage, il doit être supprimé dès ce soir. Quitte à faire la guerre, parfois, à votre épouse ou à vos enfants. Non, non, le gaspiller, on n'a pas le droit, normalement. Mais non, c'est le Coran. Les moubadirines et canons, on a choyaté, d'ailleurs. Il n'y a aucune tergiversation à voir dessus. Cheikh, tout le shay'in qaddarnahu taqdir biqadar. D'accord? Taïb, mais si on prend votre réflexion, le calendrier, il est à bannir. Ce calendrier nous donne les horaires jusqu'au 31 décembre. Donc, ce que font les scientifiques, c'est que, avec la science qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, d'accord, comme possibilité, parce qu'il nous a donné une raison qui nous permet évidemment d'être maître d'une certaine manière de science qui permettent non pas de prédire l'avenir, parce que les scientifiques ne disent pas ça. Les scientifiques prennent en considération leurs études pour pouvoir développer ce qu'on appelle des scénarios.
D'accord. Et parmi les scénarios qu'ils envisagent en fonction des études faites précédemment, ils développent un certain nombre de modèles. Et parmi les modèles, et en fonction des différentes études, et notamment les plus récentes, ils dressent la conclusion suivante, à savoir que c'est le scénario le plus noir qui se profile pour la fin du siècle. Ce n'est qu'une projection faite à partir de données scientifiques. Comme là, on a des projections faites à l'année, dans 2 ans, dans 3 ans. Tu peux très bien savoir dans 5 ans quelle va être l'heure de l'Asr ici à Massy, en prenant tout simplement la science qu'Allah Azzawajal nous a mis à disposition. Les climato-sceptiques, c'est ce qu'on appelle les climato-sceptiques en fait. Je vais partir de la laïcité pour revenir à la question du climat. La laïcité en France, vous avez la laïcité. Et vous avez ce que disent un certain nombre d'intellectuels sur la laïcité. D'accord ? Donc parfois on a une conception dévoyée de la laïcité qui n'a plus rien à voir avec la laïcité telle qu'elle est. D'accord ? Donc on est dans l'exagération, dans la conception idéologique, dans l'instrumentalisation de la laïcité. On a compris sur la laïcité. C'est un peu la même chose qu'il y a aujourd'hui sur le climat. Ou je vais même te dire les choses différemment. Même islamiquement, si sur une question donnée, tu as 100 savants qui disent quelque chose et 3 qui disent l'inverse, vers qui tu vas aller ? C'est tout. Tu vas aller vers la majorité. Et notamment vers l'écrasante majorité. Et sur la question du climat, quand tu prends les 2000 scientifiques du GIEC, donc du groupe intergouvernemental des experts sur le climat, et les 1001 études qui ont lieu et qui quasiment toutes, pour ne pas dire toutes, développent les mêmes conclusions. Et quand tu en prends quelques-uns, et ils te disent l'inverse, vers qui tu vas ? Mais parfois, c'est la logique perverse du système médiatique. Regarde. Imagine-toi, il y a un consensus sur une question. Et il y a une personne qui dit « Moi, je pense à l'inverse. » Tous les médias ont parlé de la personne qui dit l'inverse. Et celui qui va dire l'inverse, des fois, il a juste une idée à se dire « Moi, si je veux me faire de l'argent, je veux me faire une notoriété, je veux dire l'inverse. » C'est un proverbe arabe. « Khalif tu'araf. »« Khalif tu'araf. » C'est tout. Même si tu vas apporter rien du tout et tu vas essayer de noircir 200-300 pages avec quelques connaissances, à la kulihal, même si tu as dit des bêtises, le fait que tu commences tout simplement à prendre le contre-pied d'une unanimité, les gens ils vont commencer par là. Vous voulez une petite histoire comme ça? C'est une histoire vraie qui peut faire pleurer, mais ça va un peu dans ton sens. C'est l'histoire entre... C'était à l'époque... C'était une histoire comme ça. George Bush et comment il s'appelle, Tony Blair, disait « Nous allons mener la guerre et nous allons tuer 14 millions. » de musulmans, 14 millions de personnes, sauf un chirurgien. Et là, donc, tu as Jacques Chirac qui arrive et dit, mais pourquoi le chirurgien, en fait ? Il a oublié les 14 millions de personnes. Mais il a vu un chirurgien, il a parlé du détail et il a oublié le reste. Vous savez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parfois, tu as des vérités qui sont grosses comme une montagne, mais tu as un élément comme ça qui va sortir du lot et les gens vont se concentrer sur l'élément problématique ou l'élément qui sort du lot. Donc, sur la question du climat, tu as énormément d'études. Mais même au niveau rationnel et logique, est-ce qu'on, rationnellement, on peut invalider le fait que depuis 250 ans, on ait brûlé quasiment la moitié des matières premières, gaz, charbon et pétrole, et que le fait de les avoir brûlées et des milliards de tonnes de particules ne vont pas jouer un rôle sur le climat ? Rationnellement. Et comme ça, on va pomper l'énergie de la Terre, on va la brûler en un temps record, sans que ça provoque rien comme conséquence. Rien que ça, rationnellement, tu as la réponse dans la question. Donc, moi, c'est une bonne question, Akhil Karim, tu en as posé trois là. Ce sont de très bonnes questions. Comment faire pour que la jeunesse puisse se saisir de cette thématique ? Eh bien, la jeunesse, elle a deux choses à faire. Une chose qui est Iqra, et encore une fois, on en revient à la même chose. Il faut lire. Vous savez, moi, quand j'étais au lycée, jusqu'en terminale, je n'avais pas lu un livre. Et je me disais que ceux qui lisent des livres, par exemple des livres de 600 pages, je voyais un collègue de camarade de classe, il avait un livre de 600 pages, je lui dis, comment tu fais pour lire ça ? L'année d'après, j'ai commencé à lire, vous savez quoi ? L'autobiographie de Malcolm X. Depuis, je n'ai pas arrêté de lire. Ça m'a donné envie. Mais au départ, je me suis fait un peu violence. Je me suis dit, bon, je vais prendre le livre. Comme un frère hier, il m'a dit, je n'ai pas l'habitude de lire. Je lui ai dit, mon frère, prends l'habitude de lire. C'est pas parce que tu n'as jamais pris l'habitude de lire que tu vas toute ta vie te dire j'aime pas lire. Non, à un moment donné, il faut lire. Surtout quand tu as versé du Coran qui te dit Iqra. Et la vie, c'est pas tu fais ce que tu veux. Parfois, à un moment donné, il faut
faire l'effort. Donc la jeunesse, elle doit également faire l'effort de bien s'éduquer. Et s'il y a des tout petits, s'il y a des parents, il y a une chose à faire, c'est évidemment d'accompagner vos enfants dans l'éducation, la scolarisation. Enfin, la scolarisation à l'école, c'est un autre sujet, mais en tout cas, tout faire pour que vous ayez des vous savez, toutes les communautés l'ont compris. Toutes les communautés l'ont compris. On a du respect pour la communauté juive. Et je veux dire, j'ai énormément de respect pour eux sur un sujet. C'est qu'ils éduquent leurs enfants en leur disant, il faut que tu sois le meilleur. J'ai fait 5 années à Sciences Po. 5 années à Sciences Po. Dans mes 5 années à Sciences Po, le major de promo sur toutes les matières, c'était un jeune de parents juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, chapeau à ce jeune camarade de classe qui s'appelait Joël. Et dont le père, c'est vrai, il était aidé. Son père était philosophe. Et c'est vrai que ça aide quand ta père qui est philosophe. C'est vrai que ça aide un petit peu. Ça aide beaucoup même. Mais tu sais, si son père était... Quand tu grattes un petit peu, je t'assure que tu verras son grand-père, sa grand-mère, ayant émigré, ayant, entre guillemets, trimé. C'est pas une fatalité que d'avoir des parents qui sont, si tu veux, des parents ouvriers. Il faut tout simplement augmenter son capital culturel et se faire violence pour tout simplement améliorer sa situation, notamment au niveau intellectuel. Tu as complètement raison, Tchétchénie, Soudan, Centrafrique, Birmanie, etc. Mais là, je parle du livre sur la Syrie pour une raison simple. Pour deux raisons. Il n'y a aucun, ni la Birmanie, ni la Centrafrique, ni aucun autre endroit sur Terre, à part peut-être le Yémen, que le prophète Sassan a glorifié, comme il a glorifié Bilad al-Sham. C'est pas n'importe quelle terre. Allah me barik lana fi shamina, c'est pas sur notre terre. Idha fasada ahlu shami fala khayra fikum hadith rawahu at-Tirmidhi wallahu a'lam. En tout cas, c'est un hadith rappelé par Cheikh al-Ardaoud, qui est un des plus grands savants du hadith. Ala kulli hal, tu as énormément de traditions prophétiques qui parlent de cette terre-là. Ça veut bien dire que cette terre-là, elle est particulière. Mais deuxième élément qui est peut-être même plus important, je viens de vous dire que la pire des situations humanitaires aujourd'hui dans le monde, c'est la Syrie. Autant la Birmanie, c'est la minorité la plus persécutée de la planète, la Syrie, c'est la majorité. C'est le peuple le plus persécuté de la planète. Donc en termes, je veux te dire, presque de rationalisation de mes efforts, évidemment qu'il faut parler de la Centrafrique, de la Birmanie, et ce qui se passe ces derniers temps par rapport à la campagne contre Pékin Express, c'est exceptionnel. C'est très bien, et c'est la manière dont nous, en tant que musulmans et citoyens, nous devons interpeller des chaînes pour leur dire « vous n'avez pas le droit de rester silencieux sur un nettoyage ethnique ». Preuve que, alhamdoulilah, même nous, en tant que maghrébins musulmans, et normalement, « innamal mu'minun ikhwa », il n'y a pas de frontières, on peut agir, on doit agir comme fait Baraka Sati quand il va en Birmanie, il va en Syrie, il va en Centrafrique. Alhamdoulilah, les choses se font, mais en même temps, parfois tu as des priorités et tu as des urgences. Et je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est cette situation humanitaire. Vous avez tout un peuple qui est en train de se faire massacrer de la manière la plus bestiale. Et depuis 3 ans, avec des chiffres qui dépassent l'entendement. Donc, évidemment, il faut parler de tout, mais parfois, il faut parler de situations qui sont tout simplement plus urgentes que d'autres. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut minimiser les autres. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas se mobiliser pour les autres. Les gens ne sont pas prêts. Mais tu disais, les gens ne sont pas préparés. Il y a une méconnaissance. Oui, il y a une méconnaissance. Mais la communauté n'a pas le droit de ne pas connaître. Les frères, si je vous ai posé la question ces 30 derniers jours, si vous n'avez pas lu un livre, c'est pas pour voir uniquement 2-3 mains se lever. C'est pour qu'Inch'Allah, dans un mois, vous ayez tous lu un livre. C'est ça. Donc, les gens ne peuvent pas se dire, ils ne méconnaissent pas. Ils méconnaissent une situation. C'est de leur faute s'ils la méconnaissent. Et normalement, vous savez, son islamophobie qui est quand même quelque chose d'assez lourd pour la communauté. Et je finirai sur ça. Dans une des grandes villes du sud de la France que je connais, j'y ai vécu un an et demi, dans la plus grande des mosquées. Il y a 1500 fidèles qui viennent vous voir. Au Ramadan dernier, il y a des frères qui ont voulu faire un sondage sur la question de l'islamophobie pour aider une association qui lutte contre l'islamophobie. 60 personnes ont répondu au sondage. 60 personnes. Première question du sondage, est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est l'islamophobie? À ton avis, sur 60 personnes, combien ont su répondre en positif? 6. Et 10 mieux. 2. 2 personnes sur 60. On ne leur a pas demandé
dire le GIEC, ou qu'est-ce que veut dire le dérèglement climatique. On a parlé d'islamophobie, quelque chose qui les touche tous les jours. Deuxième question, est-ce que vous pouvez me citer une association qui lutte contre l'islamophobie? Combien de bandes en France? Zéro. Regarde, comme à un moment donné, je parle de la centralité du rôle de l'imam dans la communauté. Parce que la mosquée, évidemment, c'est le lieu par excellence qui regroupe la communauté. Le mosquée Al-Jabir. Al-Jabir, le fait de regrouper la communauté, c'est un endroit central. C'est là où le prophète, c'est ce que le prophète a créé le premier quand il est arrivé à Médine. On est d'accord. Mais est-ce qu'une mosquée est importante par la qualité de ses murs, aussi importante que par les personnes et la richesse de ceux qui la peuplent? Dit autrement, qu'est-ce qui compte dans une mosquée? Est-ce le capital immobilier ou le capital humain? Taïeb, au-delà du capital humain, qui auprès du capital humain des fidèles et la personnalité centrale? L'imam. Taïeb. Vous savez, la dernière fois, il y a une mosquée qui m'appelle, elle venait d'être inaugurée. On m'a dit, on n'a pas d'imam. Il m'a appelé le frère. L'habit et tout, on n'a pas d'imam, comment faire? Est-ce que tu n'en as pas un? Je lui ai dit, oui, là, j'en ai pas. Sur moi, là, j'ai pas d'imam avec moi. Vous savez ce qu'il me dit? Oui, mais l'habit, c'est pas grave, est-ce que tu n'as pas un imam de dépannage? Va voir chez qui, c'est les rabbins et les rabbins de dépannage. Va voir si chez les évêques et des évêques de dépannage. Ça veut donc dire qu'on a un grand, grand, grand dossier à ouvrir, parce que sur la question d'écologie, sur la question d'islamophobie, sur la question de la Syrie, sur la question de l'éducation, sur la question de n'importe quel sujet, dès lors que dans une mosquée, tu as un imam spirituellement fort, islamiquement formé et politiquement intelligent, tu as ce qui fera la richesse d'une communauté. Les trois. Il faut les trois. Sauf que tu peux avoir, la plupart du temps, en France, tu as des imams islamiquement formés, il n'y a pas de problème. Politiquement intelligent, il n'y a quasiment pas. Ça ne veut pas dire politiquement, électoralement, non. Il ne faut pas réduire la politique à l'élection. Tout ce qu'on a parlé de l'écologie, c'est la gestion de la vie dans la cité. D'accord? Et le fait qu'il n'y ait pas de jumeaux sur l'écologie, par exemple en France, évidemment par un massif, c'est le fait que ceux qui vont sur le Mamba, ça répond également à ta question, Afrique, comment faire en sorte que la jeunesse musulmane puisse se saisir de cette thématique? Vous êtes d'accord avec moi que si demain, dans toutes les mosquées de France, imaginons, tu es des jumeaux sur l'écologie, tu vas toucher des centaines, pour ne pas dire des millions de personnes. Et c'est beaucoup mieux de toucher des millions de personnes que de toucher une centaine de personnes à la mosquée massive ou à une conférence. D'où le rôle majeur, exceptionnellement important, de la formation, le statut des imams. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, des imams de dépannage, on en a énormément. Et de jeunes imams nés en France, scolarisés en France, avec un minimum de bagage social, politique, économique, etc., et un bagage religieux, t'en as vraiment, vraiment, vraiment très peu. Et tu pourras demain avoir des belles mosquées. Et si c'est des belles mosquées avec un discours creux à l'intérieur, on sera passé à côté. Mais Inch'Allah, on est là, on va vers l'avant. Et tout ça, ça fait partie des chantiers de la Ouma. Moi, j'ai un huitième défi ou un autre livre. Je ne l'ai quasiment pas dit dans les conférences, et je vous dis, parce que j'ai beaucoup massif. J'étais avec un libraire la semaine dernière. C'est pas ce qu'il m'a dit. Il n'y a que les sœurs qui lisent. Ceux qui viennent m'acheter des livres, c'est que des sœurs. Non, non, non. Il a dit c'est une attitude féminine. Non, 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 non. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. C'est lui qui s'occupe des enfants. Non, non, non. J'étais en Turquie, il m'a invité à prendre de l'élève pour le livre. J'étais à l'université, à la faculté de théologie de l'université de Marmara. 3000 personnes dans la fac. 2500 étudiants d'un. Tous les centres islamiques que j'ai visités, que j'ai côtoyés, tous me disent, quasiment sans exception, la majorité de ceux qui viennent étudier, ce sont des étudiants d'un. Les espaces de mobilisation comme la Palestine ou la Syrie, etc. La dernière fois, il y a un frère, il a fait une réunion avec 15 personnes pour la Palestine. Un frère, 13 sœurs.
S'il y a un défi à relever de l'âme, ça va être un défi de déséquilibre entre la partie féminine et masculine de la communauté, une partie féminine qui s'éduque et une partie masculine qui ne s'éduque plus, qui s'éduque peu. Donc les frères, Allah Azzawajal nous a donné une responsabilité supplémentaire, et la manière de pouvoir apprécier et porter le dépôt de la responsabilité, c'est évidemment d'être éduqué. Mais si on a une situation où les femmes sont davantage éduquées que les hommes, tu sais ce qui va se passer? Non, non, non. Tu sais, il y a un phénomène, bon, ça serait trop long à parler, mais le phénomène de sœurs qui sont âgées, qui sont diplômées et qui ne trouvent pas de mari, ça devient franchement préoccupant. Ça devient préoccupant. Et si, et moi je connais, parce que j'en connais certaines, elles ne trouvent pas de mari, c'est parce qu'en face, en termes de compétences et de niveau, il n'y a pas l'équivalent. Et quand vous avez une communauté éduquée, et donc une communauté qui commence à avoir un niveau de savoir et donc de pouvoir, mais dont l'essentiel de ceux qui portent ce savoir, ce pouvoir, ce sont les femmes. Après, il ne faut pas se demander pourquoi ces femmes vont remplacer les hommes dans les fonctions que normalement les hommes devaient occuper. Excusez-moi, parce que vous ne pouvez pas ces femmes-là qui sont des mariés. Des mariés. Exactement. Je vous assure que même chez l'imam Malik, Al-Kafa'a, c'est-à-dire le fait d'avoir en face quelqu'un qui soit entre guillemets du même niveau entre guillemets, c'est un droit que la femme peut exiger. Dans ce cas-là, la femme n'a aucun niveau, il n'y a pas de. C'est pour ça que leur nom de femme, c'est comme le frère tout à l'heure sur la voiture. On va attaquer les deux côtés là. Non, je rigole. Mais Yannick, ce n'est pas le seul facteur. Il y a beaucoup de facteurs, mais ce que je veux dire, c'est que. Parce que là, on va penser à l'écologie, on va oublier. Ah, la coulée. Il y a un sujet de la communauté, vraiment la relation aux femmes, qui est une relation un peu problématique. Et même, c'est la société dans son ensemble qui crée des fois une espèce de situation où on a du mal, tout simplement, à reconnaître l'homme dans sa place qu'il peut occuper, parce que l'homme est complètement effacé aujourd'hui dans la société environnante. Il y a même une forme de féminisation de tous les espaces de tous les espaces de vie, jusqu'aux espaces d'autorité, qui crée un malaise et des souffrances. Et ça, la communauté commence à être entre guillemets perturbée, voire même indirectement influencée, pour ne pas dire parasitée, par ce brouillage des genres. Ça, il va falloir très très attention à ce genre de choses. J'ai commencé par dire quoi? Ceux qui lisent dans la communauté sont des femmes. Le libraire me dit 99% que ceux qui lisent, ce sont des sœurs. Ceux qui viennent m'acheter des livres, ce sont des sœurs. 100% du centre, 100% de ceux qui se sont inscrits en première année de sciences islamiques au centre Chatibi d'Avignon, ce sont des sœurs. 100% de ceux qui se sont inscrits à Roubaix, ce sont des sœurs. Les trois quarts de ceux que moi j'ai en cours le mardi, ce sont des sœurs. 2500 étudiantes en Turquie sur 3000, ce sont des sœurs. Donc à un moment donné, oui, mais là, il y a un déséquilibre qui commence à devenir flagrant et inquiétant pour la communauté, pour son avenir.